Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Unless Suburbia. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on avait eu droit à quelques araignées et un terrible accident de la route qui m'avait bien fait flipper. On va voir cette semaine ce que le jeu nous réserve. Une fois de plus, je ne me suis pas spoilé. J'ai l'impression que la première vidéo vous a pas mal plu, donc j'espère que celle-ci vous plaira aussi. Je sais pas si on est obligé de retomber sur des trucs qu'on n'a pas encore fait, ou si on peut retomber sur des trucs qu'on a déjà fait. Si c'est déjà fait, je ferai des cuts et je vous amènerai directement sur des choses qu'on n'a pas encore fait, histoire de rester zen. Et puis voilà, on y va comme ça, je pense qu'on est ok. On est parti, n'oubliez pas bien sûr, si vous aimez ça, si vous aimez ce genre de vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, puis le petit like, le partage et évidemment l'abonnement à la chaîne. Si c'est pas déjà fait. Alors voyons voir. Ok. Alors j'ai passé le clavier en QWERTY et du coup c'est beaucoup mieux pour moi. Oui, parfait. Je vais, ceci dit, attendez une seconde, rajouter un peu de son pour vous. Ça sera beaucoup mieux, je pense. Hop. Que vous entendiez bien. Alors là, vous entendez plus du tout le jeu, c'est normal. Et là, vous allez l'entendre. Attention, je l'avais dit. On y va. Alors. Ok. On est parti. C'est beaucoup plus lumineux que la dernière fois, j'ai l'impression, non? Je me trompe? Je sais pas. Ok. Ça, c'est le frein. C'est d'accord. Il y a toujours aussi peu de gens hein, dans les rues par contre. Bon, on est censé aller où cette fois? Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, on est en pleine journée, ce qui est assez rassurant. On va pas se faire attaquer par des araignées géantes a priori. On entend des cigales, c'est l'été, il fait chaud, on est bien. Pas de problème. Stop, on va respecter la route, hein, même si on est au milieu, on s'en fout. Non, le frère, on n'a pas une radio. On peut pas l'allumer, c'est dommage. Alors, les contours de notre véhicule, ils fonctionnent pas trop. Hein. Je dis ça, je dis rien. J'avais pas capté l'autre fois, mais effectivement. Il y a quelques Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un là, j'ai failli avoir peur pour rien. Il y a vraiment personne dans les rues. Hein. Il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, non, mais je sais bien qu'il se passe un truc là, c'est derrière. Il se passe quoi? Ce bruit de l'enfer. Je vois rien de SP, je comprends pas. Est-ce que je loupe quelque chose? Bruit. C'est quoi, c'est une éruption solaire? Ça devient très lumineux là, vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe? Le soleil va nous péter à la gueule? Tout va brûler? Je vois rien, il n'y a personne. J'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer. Oh la vache! Il se passe quoi? Il se passe quoi? Ah mais c'est ça! C'est
une tempête de sable, c'est une tornade. On se court, c'est ça? Oula, la voiture elle a du mal. C'est ça, c'est une tornade? Ça aux États-Unis, ça va être une angoisse absolue. Ouais, il y a un gros truc à côté de moi là. C'est quoi? C'est une tornade? C'est quoi? Je comprends pas. Non, ça souffle de plus en plus fort, c'est une tornade, c'est sûr. Fais peur cette connerie. Je m'y attendais tellement pas. Ok, non mais voilà. Je sais pas par où aller. Ça souffle terriblement fort de ce côté là. C'est sûr, on va finir dans la tornade si c'est ça. Mais c'est ça, de toute façon, on a vu quelqu'un se faire exploser comme ça, là. C'est sûr, il s'est fait aspirer. C'est sûr, 100%. Vous imaginez l'angoisse de vivre dans un endroit comme ça? Vous savez qu'il peut y avoir des tornades qui vont vous tuer, en fait, hein. Est-ce qu'on peut y échapper? En vrai. Est-ce qu'il faut aller dans le sens des feuilles? Oh non, mais je veux pas aller à gauche, moi. Non, non, non. Non, mais moi, je vais pas à gauche. C'est non. Je vais faire demi-tour. Ça va bien se passer. Non, mais je vais pas vers là-bas, moi. Ça pue la merde. Non, 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 non. On va aller par là. On va prendre à gauche. Tranquille. On est bien. Je me demande si on peut s'en sortir en vrai. Oh shit! Oh non, mais on se fait aspirer quoi! Ah, mais c'est game over, c'est sûr! Je sais pas si ça joue sur les phobies des Européens. Je suis pas certain. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous ferait très très peur et tout. Moi je trouve ça impressionnant. Mais moins effrayant que ce qu'il y a pu y avoir la semaine dernière.
Mesdames et messieurs, on se retrouve au volant de notre petit véhicule. On est toujours dans les Suburbia et je ne sais pas ce qui va se passer. Il fait jour, donc déjà on est bien, on est tranquille. C'est ok. Ça me va. Il y a toujours personne dans les rues. Je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être la Coupe du Monde, j'en sais rien. En tout cas, il y a personne. Il fait très soleil. C'est ok. Pourquoi pas? En tout cas, on a les rues pour nous. Et on va voir ce que le jeu a à nous offrir. Normalement, il reste deux expériences. Donc, on va voir. Ok. Passe mytho, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est d'accord. Allons voir là-bas si j'y suis. Je pense que j'y suis pas, mais on ne sait jamais. C'est un cul-de-sac. Oula, cette maison, c'est non. Hein. C'est non. Cette maison, c'est non. Qu'est-ce qui va se passer ici? La nuit est en train de tomber, je crois, petit à petit. Ouais, je confirme, la nuit tombe, on voit les étoiles qui apparaissent dans le ciel. Ok. La musique tranquille et tout. C'est pas des étoiles, c'est devant les nuages. Ok. Je sais qu'il y a un event extraterrestre. Je le sais. Et je pense que c'est celui-là. C'est très clairement celui-là. Par contre, je sais pas ce qui va se passer. Nous avons des petits points dans le ciel. Est-ce qu'on va voir des petits aliens courir dans les rues et tout? Ça serait trop rigolo. Moi je dis oui, je valide. Ok, de plus en plus des petits points qui apparaissent en vrai. D'accord. Est-ce que ça va me suivre si je vais par là, genre? Ok, là-bas il y en a aussi. Ouais, non, mais en fait il y en a partout, c'est ça? Ouais, d'accord. Mais il y en a partout sauf là en vrai. Ok, la nuit tombe violemment. Et les lumières de la ville, elles ne fonctionnent pas, vous avez vu? Oula! Ah oui, non, mais là il y en avait commencé à avoir beaucoup là. Non mais en fait, ah oui, en fait on est sur une invasion extraterrestre, c'est ça? Parce que là il y en a beaucoup trop là. Ils ont décidé d'attaquer le quartier, ils ont traversé l'univers pour attaquer les Suburbia. Bien sûr. Voilà mes phares, merci parce qu'on n'y voit rien. Secours. C'est un cul-de-sac. Oula. On commence à avoir beaucoup de lumière dans le ciel. Beaucoup trop de lumière dans le ciel. C'est cool, mais hein, on va se calmer. Merci. Oh, il y a la lune.
va se passer quoi? Les lumières vont descendre, elles vont nous attaquer, il va se passer quoi? Il y avait une grosse là. Oh, ils enlèvent des gens! Regardez, quelqu'un a un rayon lumineux. Oh, let's go! Abusez-vous bien! Bonnes vacances à vous! Oh, ils le prennent mal tout de suite, les gens là. Vas-y là. Des gens qui gueulent partout. Non, mais il y en a beaucoup de monde en vrai là. Oula! Il se passe quoi si je passe dans le rayon? Faut que je teste. Ok, le rayon disparaît. Ils ont eu peur, ils ont eu peur. Bien sûr. Ah, bonjour madame. Bah c'est ballot, pour une fois qu'il y avait du monde dans les rues, faut que vous les piquiez là. Bravo hein. C'est pas très sympa hein. Ok. On se fait kidnapper. Est-ce qu'on est dans un rayon lumineux? Probablement. Ouais. Ok, ok. Petit event extraterrestre. C'est toujours rigolo. Pourquoi pas? Plutôt fun en vrai. Moi j'aime bien en tout cas. Je sais pas si vous avez trouvé ça flippant. Mais oui, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like. Hein. Ça fait toujours plaisir, bien sûr. Et dans tous les cas, ben, soit on se retrouve pour une prochaine vidéo Endless Suburbia, soit je vous dis à bientôt sur la chaîne. Des bisous. Ciao.